Bon matin, j'espère que tu vas bien. On est le 14 octobre, il est 7h05 et c'est très gris dehors, il va pleuvoir aujourd'hui. Si je veux reconfirmer juste pour être sûr, ah mon dieu, j'ai reçu des courriels, c'est agressant. Il va pleuvoir aujourd'hui quand même pas mal en matinée jusqu'à, ben même cet après-midi, fait que je suis quand même excitée. Aujourd'hui, j'ai un concept à faire pour un client. Je dois faire le montage de ma dernière vidéo Chef's Plate qui sera probablement publiée cette semaine. On va la clairer. Puis après ça, ça va être tout. Je vais réceptionner la commande d'épicerie que j'ai faite hier soir. Je pense que c'était entre 2h puis... Je pense que c'était entre 14h puis 16h. J'en profiterai pour filmer aussi une vidéo. Là, on dirait que je suis comme endormie ce matin. Fait que je vais commencer à travailler vers... Vers 8h? Ouais, je pense qu'à 8h, je vais me diriger vers mon bureau d'ordi pour vraiment être dans un mindset de travail. Parce que si je reste ici dans le petit coin salon, je prends trop mon temps. Puis là, je veux que ça l'enchaîne cette semaine parce que j'ai beaucoup d'affaires qui vont se passer. T'sais, si j'ai marqué deux choses dans mon calendrier, là, faut que je fasse mes deux choses. C'est trop facile quand t'as pas un boss en haut qui te dit « Hey, tu peux-tu? Hey, tu peux-tu? Hey, tu peux-tu? » Là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse ça. J'ai décidé finalement de répondre à des commentaires sur YouTube. Ça fait une couple de jours que je l'ai pas fait. Puis si je trouve ça le fun de vous répondre, j'essaie le plus possible. Mais tu sais, c'est quand même difficile. Il y en a beaucoup des fois, là. Je vais faire ça jusqu'à 7h30. Donc, j'ai encore 13 minutes. Alors là, il est présentement 10h15. Puis je suis en train de faire le montage ici, présent. Je suis en train de travailler, tu comprends? De ma vidéo... Chef's Plate, comme je te disais un matin, je pense en plus je te disais ça. Puis là, il faut que je fasse un voice-over, donc une voix off. Puis je l'enregistrais avec mon cell, avec le dictaphone là, de mon iPhone, mais je trouve tellement que le son est pas bon. Moi, je suis quand même difficile en termes de son. Des fois, je m'en calisse, tu sais, quand c'est une vidéo, là, je pète, je suis comme, c'est correct. Mais là, tu sais, c'est une vidéo pour un client. Fait que c'est sûr que, automatiquement, je veux que ça soit professionnel, je veux que ça soit bien fait. Sans que ce soit une pub télé, on s'entend. Puis là, j'enregistrais avec mon dictaphone, mon voice-over, puis quand je le mettais dans la vidéo, je l'écoutais, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est de la merde, j'haïs ça. » Moi, je non. Fait que là, j'ai sorti mon micro. J'ai ouvert Ableton, mon logiciel que je fais de la musique avec. Puis là, j'ai enregistré mon voice-over, puis ça sonne, honnêtement, 10 fois mieux. Et je suis satisfait. On dirait que j'étais pas 100% satisfait avec le premier enregistrement que j'avais fait avec mon cellulaire, là, justement. Je devrais avoir terminé pour 11h. Fait que, tu sais, mon matin va être clairé. J'ai filmé aussi mon déjeuner. C'est vraiment simple. Là. C'était juste des muffins anglais avec du fromage. Mais, tu sais, ça va faire la vidéo du jour pour la date. Yeah! Alors là, il est déjà midi. Ça l'a passé extrêmement vite. J'ai clairé tout ce que j'avais à faire aujourd'hui en termes de clients, tu comprends, contrat. Là, je vais nourrir la bête. Il est très excité. Puis je vais me faire un petit dîner chipette, là. Je sais pas vraiment ce que je vais me faire pour être complètement honnête. On se calme. Fuck! J'ai toujours une plaque. Il y a toujours une plaque de prête. Qu'est-ce que je me fais à midi, astic? On dirait que je le sais pas. Je vais te mettre un petit... attends, Albert, attends. Ouf, ça pue, ça. C'est dégueulasse. Jeez Louise. Assis, reste. Ok. J'ai envie de faire un potage. C'est parce que là, ok, hold on. J'ai beaucoup de carottes, puis j'ai de la courge. Ça serait-tu possible de faire un potage courge-carotte pour l'interrogation? Ça serait-tu une possibilité? Like, on dirait que j'ai comme envie. Anyways, là, je me fais sardines millionnaires que j'ai reçues de leur part. Sont délicieuses. Ils coûtent cher, mais sont bonnes. En viande. Ah!
Là, je suis comme survoltoy parce que mon idée de potage, me semble, c'est le foin. Hein. Me semble, c'est sécurisant slash réconfortant. Oh! Oh! La Lighthouse Organic Ranch. Avec des carottes, c'est la meilleure chose. Mmh. Moi, là, la Trumpet Ranch, là. Je vais mettre mes sardines sur les petites baguettes grissoles. J'ai également du fromage bien de base. Mais tu sais, c'est du cheddar doux que j'ai acheté. Puis je vais regarder une vidéo YouTube de base. Dès que tu as fini de manger, toi, tu es allé ici à cause que la chaufferette est bien, hein? Je me suis pris des petites cigarettes papas et que ben, ça s'appelle des bâtons, mais you know. Alors là, c'est le moment holy. Je vais écouter des vidéos sur YouTube, je pense. Alors là, la pluie continue. Je trouve ça... Vous savez que j'aime ça. Fait que c'est le moment holy. Il est 1h30. Mon épicerie s'en vient, celle que j'ai fait hier. Elle devrait arriver entre 2h et 16h, fait que tu sais. D'ici 2h, ça devrait être arrivé. Je vais juste me prendre mon verre d'eau. On va les remplir. Fait que je vais filmer une vidéo pour TikTok quand je vais recevoir mon épicerie d'achat d'épicerie. Mais sinon, ça va être vraiment de base. On dirait que c'est ça. Moi, je trouve que le mois d'octobre passe vraiment vite. Puis pas que ça me déprime, mais ça me déprime, mettons. On dirait que j'ai annoncé mon livre la semaine passée, mais ça fait déjà 2 semaines. C'est comme si ça va 2 fois trop vite. Parce qu'on n'oublie pas que je sors un livre de recettes, là. Le 30 octobre, tout s'enchaîne rapidement. Le Salon du livre de Montréal, là, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Je me remercie tellement d'avoir pris la décision de prendre ça plus relax pour ce mois-ci à cause de mon livre. Puis aussi parce que les 2 dernières années, j'ai vraiment ultra travaillé puis que c'est important de penser à soi. Je regarde par là parce qu'il y a un beigne dans mon écran. Un beigne au sucre fait maison que j'écoutais une vidéo d'une fille qui est comme dans un pumpkin patch. Je pense que je suis jamais allé dans un pumpkin patch. Je suis allé, mettons, je suis déjà allé dans des kiosques d'une ferme, tu sais, sur le bord de la route où il y a des citrouilles, mais j'ai jamais marché dans un pumpkin patch, une ferme de citrouilles finalement, là. Ben, c'est peut-être une activité que je pourrais faire la semaine prochaine. Mais on dirait que je sais pas s'il y en a comme dans Lanaudière / Laurentide. Peut-être. Je sais pas, tu me diras ça en commentaire si t'as des idées. Mais j'irai pas revirer sa rive sud, là. Oh non, non, j'irai pas revirer à Québec non plus. J'adore entendre la pluie. Puis là, je viens d'avoir un flash, parce que là, j'entends la pluie tomber sur mon air climatisé qui est encore installé. Il faut vraiment retirer l'air climatisé parce que cette nuit, on était gelé. Pas parce que l'air climatisé fonctionne, parce que l'air passe. Va falloir qu'on la retire, parce qu'il va faire pas fret, mais tu sais, ça m'a dit, c'est beau, là, on va pas l'utiliser, l'air climatisé, là. Ça, c'est ça. Oh! Absolument. Ah, voilà. Une petite shot. So good. Wow. Ça a l'air délicieux. C'est une recette d'été, en effet. Mais regarde. Sans aller tes feuilles mouillées. Mélanger d'urine canine. Ah ouais, pisse sur le tronc de balai de plante. Il tourne autour de l'arbre. Ah ben. J'ai mis mon foulard parce que j'ai froid. Like literally. Thank you.
Alors, j'ai terminé d'éditer le vlog d'hier, en fait. Il va être publié demain matin, donc là, c'est lancé. Je l'ai mis sur YouTube. C'est en téléchargement. Je me suis fait un petit gin tôt. C'est vraiment mon drink passe-partout. Je me fais souvent du gin tonic parce que j'aime vraiment le gin et j'aime la simplicité du drink tonic. Ben, gin tonic. Ou, moi j'aime aussi, c'est quoi, c'est soda gingembre avec rhum épicé. C'est bon, mais ça c'est plus temps des fêtes. Tu sais, avec le ginger ale festif, là, à canneberge, tout ça. Like. On dirait que j'ai hâte qu'il sorte, d'ailleurs. Ok, là, faut que je me calme. Tu sais, c'est passé pas Noël, là. Moi qui avais si hâte au mois d'octobre, faut que je me calme. Il est 20h, puis dans le fond, je vais closer le vlog ici pour que mes vidéos soient toutes déjà dans mon ordi. La caméra est à 10% de batterie. Je vais aller la recharger immédiatement. Honnêtement, je sais pas ce que je fais. Là, j'ai vu qu'ils ont sorti Silent Hill 2. Mais je vais pas jouer à ça, là. Ça, c'est plus un jeu de type stream, mais... Malheureusement, j'ai pas la force pour streamer présentement au mois d'octobre. Il y aura des streams sur Twitch pour la sortie du jeu Planet Coaster 2. Mais pas juste pour la sortie, là, mais le jeu sort le 6 novembre. Je vais essayer de faire le plus de streams possible pour faire les, la campagne, jouer au jeu finalement. Il me semble que c'est le fun de recommencer un jeu comme à zéro. Ah! Fait que sur ça, moi je vais terminer... Mon petit gin, je vais peut-être me faire un petit thé tantôt avec des parlegés. Il me reste un petit paquet de parlegés. Chris, il va falloir que je retourne au Dollarama. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aimez beaucoup la Vlogtober. Finalement, là, moi, j'enchaîne vraiment. Je pensais pas que j'allais comme me remettre dans le beat autant du Vlogtober puis de faire une vidéo à chaque jour. Regarde, ça l'enchaîne. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!